L'école de peinture de Poto-Poto va bénéficier dans les prochains jours d'un site web. C'est l'une des mesures qui découle des échanges préliminaires entre les artistes peintres de l'école de peinture de Poto-Poto et les responsables du fonds d'appui à coût partagé. En effet, le directeur de ce fonds d'appui avait annoncé lors de sa visite vouloir aider les artistes peintres de la dite école à être plus dynamiques dans leur activité et leur permettre de contribuer à l'essor économique du pays. Étant donné que l'école de peinture de Poto-Poto est, on peut dire, l'une des rares institutions culturelles du Congo à renommée internationale, et donc nous avons pour cela jugé très utile d'aller sur le terrain pour échanger avec les responsables de ces institutions afin d'appréhender leurs besoins en termes d'assistance technique, puisque nous sommes un projet d'assistance technique. L'école de peinture de Poto-Poto peut contribuer à la relance économique si elle bénéficie d'un accompagnement approprié. Les bénéficiaires qui auparavant utilisaient les réseaux sociaux afin d'étendre la visibilité de leurs produits apprécient l'idée d'un site web. Auparavant, c'était des petites cartes de photos envoyées en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Asie. Aujourd'hui, avec un site web, dans l'école de peinture de Poto-Poto, là où nous sommes à Brazzaville, nous pouvons faire parvenir nos images travaillées, nos tableaux peints ici, qui vont rayonner à travers le monde à partir de ce site. Ouais. Cette assistance technique sera accordée dans le cadre du programme d'appui à la diversification de l'économie, PADE, dont le fonds d'appui à coût partagé en est l'unité opérationnelle. Le PADE est un projet cofinancé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais qui consiste à renforcer le secteur privé hors pétrole.